Dans la série Les rencontres de Bruno, les amis de Bruno, ben, je suis heureux de te voir aujourd'hui chez toi. Gilda Tréguier, c'est un breton ça. Complètement breton. Famille de paysans du Finistère. Oui. Lorsqu'on a remonté l'arbre généalogique, c'était simple. Hein. C'est pas compliqué de remonter les arbres généalogiques de ces familles bretonnes, puisque depuis mon arrière-grand-père, qui a quitté la ferme en 1898, quelque chose comme ça, jusqu'au XVIe siècle, toute la famille est restée sur un territoire de 50 km2. Parce qu'ici, on n'est pas tout à fait sur Vannes, ici, on est sur le pays de l'Orient. On est au pays de l'Orient, mais je suis finistérien. Ah. Ce qui a son importance, parce qu'il a fallu franchir la Leïta. Ah bon? Et c'est un problème? Pour les Finistériens, la frontière avec le Morbihan, c'est la Leïta. Et quand j'étais enfant, il était hors de question qu'un jour, je pourrais m'installer à Lorient. C'était à ce point-là. Ah oui, non, notre attachement cornouaillais, notre tropisme cornouaillais nous amenait à Quimper, nous amenait à Concarneau, mais pas à Lorient. Et j'ai appris à aimer Lorient. Oui. Comme je te l'ai dit. Voilà. Et pourtant, comme tout breton, tu es aussi un grand voyageur. Et voilà. Parce que tu ne t'es pas arrêté. Et voilà. À Lorient, mais tu voilà. as navigué par Deval et par voilà. la mer. Ouais. Alors c'est quoi cette histoire? Alors c'est quoi cette histoire? Eh bien d'abord, je me suis installé à Lorient comme pédiatre en 1987. D'accord. Après avoir déjà pas mal voyagé auparavant, puisque j'avais fait de la médecine en Algérie, et puis au Népal, et puis j'étais investi déjà depuis très longtemps dans l'humanitaire. Et puis quand je me suis installé, le hasard a voulu qu'à peu près au même moment, je rencontre un pédiatre qui m'a parlé du Vietnam. Que tu ne connaissais pas? Que je ne connaissais pas, c'est tout à fait par hasard, un congrès de pédiatrie à Paris. Un pédiatre qui se nomme Jacques Lalande, qui pour moi est un grand monsieur, un grand, grand monsieur. De pour la moi, pédiatrie il est un pédiatre, oui. Hein, dans la grande lignée de Stéphane Hessel, Théodore Monod et autres. Hein. Et ce type que je rencontre tout à fait par hasard à un congrès de pédiatrie me parle d'un programme autour de la naissance au Vietnam. Il se trouve que je m'occupais de naissance à Lorient, et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Donc tu es passé de Lorient à Lorient? L'Orient extrême. Voilà. Je n'aurais pas imaginé, il y a, donc c'était en 1988, ça fait 30 ans cette année. Oui. Je n'aurais pas imaginé que le Vietnam aurait occupé une telle part dans ma vie. Parce que ça a pris une importance considérable. Parce qu'au départ, c'était d'abord un programme médical. D'accord. C'est la coopération médicale. On était un petit peu dans le trip humanitaire, tout ça, le Vietnam émergeait. Je ne connaissais pas du tout ce pays. Oui. Et au fil des ans, j'ai appris à aimer ce pays. Et si j'ai appris à aimer autant ce pays, je pense que c'est pour la qualité des amitiés que nous avons nouées avec le Vietnam. Parce que la langue vietnamienne, ce n'est pas une langue facile. Ce n'est pas facile. Et comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai accueilli à Lorient en 1992, à la demande donc de cette association qui s'appelait l'Appel, Appel Lorient, c'est Appel Lorient. Oui. Mais à l'époque, c'était une association qui était née au Vietnam en 1968. Nous nous situons dans la filiation de 50 ans de coopération dans le domaine de la médecine de l'enfance au Vietnam. Et alors, je reçois pendant un an à Lorient un jeune pédiatre qui est arrivé en 1992, qui a passé un an avec nous, chez moi, avec moi. Oui. Et avec qui j'ai établi des liens d'une telle fraternité que là, pas plus tard que la semaine dernière, on avait encore, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a eu un échange de mails. Bon, c'était en 92. Et ce garçon, donc, était pédiatre, faisait de la néonatologie. Et quand il est retourné dans son pays, je lui ai dit, écoute, si je peux, ça, il s'appelait Ngominson, il s'appelle toujours Ngominson, si je peux t'aider dans ce que tu fais, tu me dis. Et alors? Et ce type, non seulement pédiatre, est devenu professeur de pédiatrie. Il est devenu premier professeur agrégé en médecine néonatale du Vietnam et il est maintenant recteur de l'université de médecine à Ho Chi Minh Ville à Saigon. Et on continue 30 ans plus tard à travailler ensemble. Alors ça s'est élargi et donc je pense que ce sont ces échanges humains qui ont fait que j'ai appris à aimer autant ce pays jusqu'au jour où je me suis interrogé, mais moi, l'Orient, le Vietnam, mais pourquoi le Vietnam? Et c'est là où arrive la Bretagne, et c'est là où j'ai découvert,
alors que l'Orient est une ville dont l'imaginaire est beaucoup plus autour de la Compagnie des Indes, de l'Inde, etc. Oui. Eh bien, j'ai réalisé que nous avons une mémoire d'Extrême-Orient à l'Orient, et en Bretagne, et beaucoup à l'Orient, du Évidemment. Fait de la Compagnie des Indes, hein, oui. Une mémoire assez fabuleuse, qui est une mémoire qui est méconnue, qui n'a jamais été réellement écrite, mais qui, par étapes successives depuis le XVIIe siècle, est d'une richesse. Et nous nous situons, je pense, dans cette filiation, dans le sillage d'une très belle histoire des relations. Donc tu crois à cette idée d'une sorte de mémoire, comme la mémoire de l'eau, il reste quelque chose? J'en suis absolument convaincu. On ne naît pas par hasard dans un endroit, et je suis convaincu que nous sommes façonnés par l'environnement dans lequel nous vivons. Et par notre histoire, par nos relations. Et par notre histoire, bien sûr. Oui. Et en plus, je suis médecin. Et en plus, et en plus pédiatre. Donc je vois des enfants grandir. Oui. Et je vois à quel point nous sommes influencés par nos gènes, oui. parce que nous sommes les fils de nos pères, bien sûr. Mais aussi par notre environnement. Il suffit de voir combien un enfant qui grandit est influencé par son environnement. J'en parlais encore tout à l'heure dans une consultation avec une maman. Et on parlait justement des ressemblances, et je lui dis, mais regardez votre enfant comme il ressemble à son père, il marche comme son père. Et elle me disait, ouais, et ce qui est incroyable, c'est que quand on regarde des enfants adoptés, ils finissent eux-mêmes, alors qu'ils n'ont qu'un gène commun, par ressembler à leurs parents. Alors par contre, toi, tu n'as pas les yeux bridés, comme pas mal de Français qui vivent, ou d'Européens qui vivent en Asie, ils finissent par avoir les yeux bridés. Mais par contre, tu ressembles au professeur Tournesol. Ouais, et c'est alors, ça qui a fait un déclic extraordinaire chez moi. Ouais, alors, du professeur Tournesol, qui est une sorte de héros pour moi, j'aime ce monsieur par sa ténacité. Il avance. Il est seul à avoir des idées. Idées. On le voit dans le Racame Rouge, oui. Il invente, il innove, personne n'y croit, mais ça marche. Ça marche. Et alors, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui marche avec ce que tu fais? Alors, pour nous, c'est simple. Lorsque j'ai découvert le Vietnam en 88, c'était juste au début de l'ouverture du pays, ce qu'on appelait le Doi Moi, c'est-à-dire l'ouverture économique, politique, culturelle, etc. du pays, 1988. Et depuis 30 ans, ce pays a émergé de façon absolument fabuleuse. Et pour avoir travaillé avant dans d'autres pays, ce qui est absolument incroyable dans un pays comme le Vietnam, c'est qu'il suffit de semer des petites graines, des graines de connaissances, et ces graines, elles germent. Parce que nous avons en face de nous, loin, à 10 620 km de l'Orient, un peuple travailleur, intelligent, et qui ne demande, après quand même des années de souffrance, c'est quand même un peuple qui a beaucoup, beaucoup souffert, des guerres d'indépendance, un régime politique pas drôle obligatoirement, mais des gens qui ont une volonté d'avancer et de rejoindre le rang des standards internationaux. Une confiance. Ah oui. Ils ont une confiance. Ah oui, une grande confiance que tu connais bien, oui. puisque nous nous sommes retrouvés autour du Vietnam, dans ces provinces de Canh Hoa. Alors oui, parce que là, pour l'occasion, tu avais quitté Ho Chi Minh City, enfin Saigon, pour aller à Nha Trang. Voilà. Et c'est là qu'on s'est trouvé. Et donc la ville de Nha Trang et puis la province de Canh Hoa, qui pour nous, alors nous y travaillons depuis une bonne dizaine d'années, grâce à cet ami commun qui est Pierrick Nevanen, ancien vice-président du Conseil Général, et qui nous a beaucoup, beaucoup accompagnés, eh bien ces provinces de Nha Trang, de Canh Hoa, dont la capitale est Nha Trang, représentent pour nous ce qu'est le Vietnam aujourd'hui. C'est-à-dire un concentré sur un territoire où vivent à peu près un peu plus d'un million d'habitants, un peu plus qu'un département, un peu moins qu'une province. Dans ces provinces, une bande côtière qui se développe à tout craint, qui aujourd'hui est vraiment une des villes les plus touristiques au monde, une station balnéaire avec ses énormes hôtels de luxe. Mais il suffit de faire 20 km dans la campagne et de monter dans la montagne. On se retrouve au milieu des minorités ethniques, qui sont des minorités raglan pour la plupart, où nous travaillons, nous avons des programmes. Et là, on se retrouve dans la grande pauvreté. Et cette province est pour nous passionnante d'un point de vue médical, parce que je pense que nous contribuons avec toutes nos équipes, c'est pas moi tout ça, mais avec toutes les équipes de cette association Appel, avec l'hôpital de Lorient. Et puis tous nos partenaires, le centre de Carpap, on a tout un réseau comme ça de la vie associative, tout un réseau de gens, de professionnels de santé,
nous partageons avec nos collègues vietnamiens une envie commune d'avancer. Et c'est là où on dit que nous ne sommes peut-être plus au Vietnam dans l'humanitaire, encore que, il y a des actions de solidarité importantes, mais nous sommes vraiment dans du partage d'expérience, du transfert de compétences, et c'est ça qui est passionnant. Et puis, c'était l'endroit où Yersin, le grand professeur Yersin, s'est installé il y a 30 ans. Donc je reviens sur les pas de Yersin. J'ai un regret, c'est que, d'ailleurs je dis souvent Ker Yersin ou Yersinik, tellement je regrette qu'il ne soit pas breton. Oui, parce qu'on ne le connaît pas tellement, mais c'était un des grands professeurs. Ah ben alors, Yersin fait partie, alors comme un bon nombre de ces médecins bretons au Vietnam, ça fait partie de cette part de la mémoire bretonne d'Extrême-Orient, au Vietnam, pendant la période coloniale, il y avait de nombreux médecins, qui pour la plupart étaient des bretons, beaucoup étaient des bretons. Pourquoi? Parce que c'était des médecins issus de la marine. C'est ça. Donc, la boucle est bouclée. Voilà. Et l'aventure continue? L'aventure continue. Nous serons au Vietnam en mai. La ville de Lorient vient de signer un partenariat avec la ville de Nha Trang sur une belle thématique qui est la qualité de vie du citoyen. Bravo. Nous avons accueilli en octobre une belle délégation médicale. Et en octobre prochain, nous allons célébrer les 30 ans de cette coopération médicale avec le Vietnam. Donc, ça continue. Félicitations. Merci, mon ami. Xin chào. Xin chào.